Bonjour, bonsoir à tous. Petite vidéo aujourd'hui sur les cavaliers de l'Apocalypse, maîtrise des situations par Libon aux éditions Dupuis. Donc c'est une bande dessinée qui s'adresse à un public jeune et plus âgé, les deux hein, sans problème. Moi j'ai adoré, franchement j'ai adoré, j'ai tellement adoré que j'ai envie de le relire pour vous dire. Et je trouve que c'est une belle bande dessinée qu'on peut donner entre toutes les mains et surtout pour initier la bande dessinée à un public peut-être timide ou à des jeunes qui ne savent pas trop quoi lire et par quoi commencer. Donc en fait, c'est la vie de trois écoliers qu'on les a là. C'est un dinosaure, un oiseau, puis une espèce de petit mammifère qui vont commencer à faire des bêtises, donc des petits gags, et ça va aller crescendo à chaque fois dans les gags. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça s'amplifie, ça s'empire au point de vue d'être grave, l'école explose, tout se casse, ils arrêtent des bandits, ils s'en rendent même pas compte. Enfin, c'est vraiment tordant, c'est super drôle, c'est très bien pensé. Donc voilà. Au niveau du dessin, bah, c'est un dessin de type Libon. Alors, si vous ne connaissez pas Libon, voilà, c'est des dessins comme ça. Hop. Donc il y a pas mal à lire quand même, hein. Faut pas croire qu'il n'y a pas grand-chose à lire. Donc ça peut aussi permettre à un jeune public qui est non lecteur de se mettre à la lecture d'une manière un peu alternative, on va dire, hein. Et donc voilà, si vous voulez passer un bon moment, vous détendre, et c'est ça qui est important avec une bande dessinée. Une bonne bande dessinée, c'est un bon moment. Bon, il peut y avoir des bandes dessinées qui sont assez dures à lire, etc. Mais ça reste des bons moments parce qu'on apprend des choses, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, voilà. Pour moi, ça, c'est une bonne bande dessinée. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt!